évidemment, c'est un jour mémorable pour moi, extrêmement mémorable. Ça fait des années que je joue ici en Angleterre. Et être en finale de la Queen's Cup, en plus avec Cartier, qui est une marque française, magnifique, que j'adore. Donc je suis ravie d'être dans cette finale. C'est un moment exceptionnel pour moi. Et vous avez une équipe aussi incroyable formée. Mais c'est vous aussi, en fait, c'est le patron, non, qui choisit, qui manage. Et vous avez même joué aussi, vous, super, super bien. Vous avez gaulé impressionnant. Les buts, maintenant, c'est quoi? De gagner la finale. La finale, bien sûr, et super. Et de recevoir la coupe de la Queen's Cup, qui est un moment pour le polo mondial extraordinaire. En plus, une équipe féminine. Et voilà. Aussi pour Cartier. Oui. Parce que je trouve que c'est magnifique de sponsoriser cette Queen's Cup. Et c'est tellement prestigieux. Et c'est iconique, non? C'est traditionnel, incroyable. Moi, je suis vraiment très fière d'être française. Oui, c'est très, très bien. Et en plus, c'était vraiment une compétition cette année encore très, très, très dure avec 17 équipes. Oui, très dure. Et en plus, vous avez gagné mais chaque match. Enfin, c'était incroyable. C'était beau, mais beau entre vous. Vous avez joué impressionnant. C'est quoi le secret? Je crois que s'il y avait un secret, il serait dévoilé depuis longtemps. Mais je pense que nous sommes très heureux de vivre ensemble. Le polo est un sport où on vit ensemble. Oui. Le match est le résultat de beaucoup de travail avec les grooms, avec les palefreniers, comme on dit en français. Et ceux qui sont derrière sont aussi importants que ceux qui sont devant. Oui, bien Donc sûr. On a vraiment une équipe de travail extraordinaire. Et je voudrais vraiment que les caméras se mettent un peu vers eux. On va y aller. On va y aller parce oui. que je crois que leur cœur, leur temps, ils donnent leur vie pour leurs chevaux. Et ça, c'est le plus important dans le polo, sont les chevaux. C'est 70%, comme bien sûr dit que c'est 70% du polo et 30% pour les humains. Donc je pense que ils sont là pour entraîner des chevaux, pour les soigner au jour le jour, a dia, comme ils disent en espagnol. Oui. Et je pense que ça, c'est la clé, c'est d'avoir une équipe de travail exceptionnelle et des joueurs exceptionnels. Aussi, parlons des chevaux, vous avez ramené combien de chevaux? Et c'est vous-même, vous criez les chevaux aussi? Oui, parce que ça, c'est aussi des fois un clé de succès, non? Allez, on y va, merci, au revoir.